Effectivement, quatre univers qui vont avoir une transversalité sur toutes les activités produits que nous commercialisons. À la fois en pose libre, en lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, et en encastrable sur les fours, les plaques, les hottes. Donc quatre grands thèmes. Un thème qui va être la connectivité, où on va avoir des produits qui vont être raccordés au réseau Internet par le Wi-Fi, avec une double fonctionnalité. Une première, une interface utilisateur avec une commande à distance et une supervision des produits via une application. Et surtout, et pour nous, ce qui est le plus important, c'est la mise en avant d'un service après-vente et où on va pouvoir recevoir les codes erreurs des produits et faire un pré-diagnostic beaucoup plus rapide pour le consommateur et avoir une intervention beaucoup plus fine et beaucoup plus efficiente pour la réparation des produits qui peuvent tomber en panne. L'encastrable, c'est aussi un des axes forts de développement pour la marque Sharp, avec un développement des plaques de cuisson, avec des plaques multizones, des fours encastrables, qu'ils soient en catalyse ou en pyrolyse, des hottes, et puis également des réfrigérateurs, où on va être présent sur tous les segments du réfrigérateur pour couvrir tous les éléments de la cuisson encastrable. Dans la quotidienneté et dans l'utilisation des produits, les produits électroménagers ont un niveau sonore. Donc la performance qui a été atteinte par la marque, c'est sur chaque univers produit d'arriver à avoir des performances extrêmement basses. Donc sur du lave-vaisselle, nous allons atteindre jusqu'à 39 dB de niveau sonore. Sur nos réfrigérateurs grande taille, double porte et multiporte, nous atteignons des performances jusqu'à 36 dB. Nous avons un four également qui ne fait pas plus de 35 dB, même en mode refroidissement avec la ventilation au maximum pour refroidir la cavité du four. Et enfin, sur un lave-linge, 8 kg, 1400 tours minute, où là également, nous ne dépassons pas la barre des 40 dB, on est même à 39 dB sur ce produit. Donc, c'est pas un calcul de laboratoire avec un mode demi-charge ou quart de charge sur un lave-linge. On est proche de l'expérience utilisateur et de ce que lui va réellement appréhender quand il va avoir le produit chez lui et il va l'utiliser tous les jours. La santé, le bien-être, c'est pareil, c'est un thème qu'on va trouver en transversal sur tous nos univers produits. On va commencer, par le produit plus emblématique qui va être le purificateur d'air. Et alors lui filtre l'air et par un système de ionisation exclusive qui s'appelle Plasma Cluster, de ionisation positive et négative, va désactiver un certain nombre d'allergènes dans l'air, que ce soit les allergènes des acariens, les poussières, les moisissures. Cette technologie, on va aussi la retrouver dans la cavité de nos réfrigérateurs multiportes, dans les cavités de nos lave-vaisselles, ce qui vont empêcher le développement de germes, et également sur les lave-linges, où on va avoir des programmes anti-allergie, où on va avoir plusieurs rinçages de la lessive pour évacuer tous les résidus lessiviels. Et puis également les plastiques qui sont en contact, où il peut y avoir de l'eau résiduelle telle que le bac lessiviel, les joints de tambour et puis les aubes de brassage qui vont être traités dans un plastique certifié ISO 22096 qui est traité antibactérie et qui va donc éviter l'accumulation de bactéries au fur et à mesure des cycles de lavage.